Je m'appelle Vincent Gosset, je suis le dirigeant de la boucherie de Sainte-Fère. Nous sommes donc une entreprise artisanale de boucherie, charcuterie, traiteur. Nous avons 4 salariés plus moi-même. Nous avons un jeune apprenti qui vient de nous rejoindre. Je suis venu en 2016 pour me former dans cette entreprise. J'ai obtenu mon CAP charcutier-traiteur. J'ai ensuite été embauché en tant que charcutier pendant un an. Et à la suite de ça, en 2018, j'ai racheté cette entreprise. J'en suis le dirigeant depuis. Mes missions vont de la stratégie, aller chercher les matières premières, aller jusqu'à la fabrication d'un produit fini, le présenter aux clients et le leur vendre, faire du management, gérer une équipe, construire une équipe. Ça passe par du recrutement et ça passe forcément aussi par la formation d'apprentis. Un maître d'apprentissage, c'est avant tout la personne qui va suivre son apprenti depuis l'entrée en entreprise jusqu'à son diplôme. Pendant l'apprentissage, il faut suivre le jeune, il faut l'accompagner dans ses besoins professionnels et personnels. On s'appuie sur des ressources externes, par exemple le réseau Artisans Gourmands du Limousin, qui va également nous proposer des actions de communication, de mise en avant, d'animation du point de vente. La Chambre des métiers de la Creuse, par exemple, va pouvoir nous accompagner sur des problèmes techniques grâce à leur disponibilité. Je transmets ce que je sais à mes salariés, à mes apprentis, et eux-mêmes me font des retours. La transmission, c'est toujours dans les deux sens. Nous sommes heureux que notre contribution à l'artisanat ait été reconnue ainsi. En effet, transmettre notre savoir à des apprentis, donc des futurs artisans, c'est aussi notre métier.